désengorger les urgences, il faut à nouveau qu'en ville, et en particulier dans la région parisienne, que les médecins fassent des gardes. Honnêtement, un généraliste, il peut très bien faire une garde une fois par mois, ou même une fois toutes les 8 semaines, et je maintiens que c'est possible. Et je fais une proposition, la consultation est à 25 euros, bah, le week-end, il n'y a qu'à mettre la consultation à 30 euros, hein, de toute façon, ceux qui ne peuvent pas payer, c'est assumé par la Sécu. Mais est-ce que... Ah, bah donc c'est le contribuable qui paye derrière. Mais ça coûte plus cher. Mais c'est 3 fois plus cher. Il faut les engorger, mais qu'on arrête. Il y a des tas de généraux. Pourquoi pas mettre la consultation tout de suite à 30 euros, alors, à ce moment-là. Je viens de voir l'intervention de Jacques Maillot. Il y a un moment où il faut savoir s'arrêter. Je suis désolé, mais quand je l'entends parler des médecins généralistes qui devraient prendre une garde, dit-il, par mois ou toutes les 8 semaines, et il y a qu'à mettre la consultation à 30 euros, on lui rappellera que non seulement les généralistes prennent des gardes régulées le week-end, mais également le soir, partout en France, et la consultation régulée est à 51,50 €. Donc quand on ne connaît pas le problème, on se tait. Les médecins généralistes n'ont absolument aucun conseil à recevoir de la part de gens qui ne sont même pas de la profession et qui se permettent de parler sans savoir de toutes les choses. Alors je le dirai sur le plateau des Grandes Gueules, la prochaine fois où j'y serai, la prochaine fois, quand, si on parle des urgences, mais ça suffit quoi, ça suffit. Tout le monde fait le boulot, on essaye de tenir un Titanic qui se casse la gueule à force de lois à la con depuis des années, qui sont en train de flinguer la médecine, que ce soit les centres d'urgence qui n'en peuvent plus, ou plus de 200 sont en grève actuellement, ou la médecine de ville, avec des types qui sont complètement épuisés, des gens qui déplaquent à tour de bras, et des jeunes qui n'osent pas s'installer, tellement qu'on a rendu cette pratique impossible. Alors de grâce, arrêtez de dire des conneries, mais regardez plutôt l'état de la médecine, et essayez de l'aider. Merci.